Ici, on est à la maison Gia Vachon, la maison des fondateurs des petits gâteaux Vachon. Donc, la maison Gia Vachon, c'est la maison où Rosanna et Joseph Arcade ont habité de 1923 à 1940. Et c'est ici qu'au départ, tout a commencé. Son rêve, c'était de ramener ses fils, ses trois plus vieux qui étaient partis aux États-Unis travailler. Puis elle voulait leur trouver du travail. Puis c'est devenu l'entreprise familiale qu'on connaît aujourd'hui. Bonjour! Vous êtes ici à la maison? Oui! Donc, à la maison Gia Vachon, on retrouve entre autres le poêle de Rosanna, où elle a commencé ses petits gâteaux Vachon. Ensuite, on peut voir des moules qui ont servi à la pâtisserie, qui servent encore aujourd'hui. On peut voir un convoyeur, le premier convoyeur qui a servi, parce que les garçons, comme ils avaient travaillé chez Ford, ils avaient eu l'idée de faire des gâteaux, mais en série. Le scrapbook de Béatrice nous a permis de recréer l'histoire des Vachons parce qu'elle a mis beaucoup de photos avec des notes, ce qui a permis de s'assurer de transmettre très bien l'histoire de la pâtisserie Vachon. On remet deux petits gâteaux à la fin de la visite pour conserver la tradition que Rosanna avait de remettre des gâteaux à chacun des visiteurs.